sa première apparition dans ce groupe qualificatif pour la Coupe du Monde, les Pays-Bas, sous les ordres de Monsieur Roger Duhau, l'arbitre français. Une équipe néerlandaise qui ne va pas peser lourd face à des Anglais qui restaient sur de sévères défaites dans l'hémisphère sud, et notamment un 76-0 encaissé face à l'Australie. Les Anglais ne vont pas tarder à prendre ce match par le bon bout, et ils vont marquer un premier essai sur ce groupé pénétrant des avant-anglais. Et le dernier à aplatir, c'est Neil Back, le troisième ligne. Neil Back, joueur de Leicester, qui inscrit son premier essai. Et il va passer une agréable après-midi, Neil Back, puisqu'il va inscrire la bagatelle de 4 essais du jamais vu pour un troisième ligne. On revoit cette poussée des avant-anglais face à des Hollandais qui ne pourront absolument rien faire dans cette partie. Il est vrai qu'ils n'ont pas de professionnels dans leur équipe. Ils ont tous un job. Ils sont là pour essayer d'apprendre, puisqu'ils préparent une éventuelle qualification, non pas pour cette Coupe du Monde qui aura lieu la saison prochaine, mais pour l'autre Coupe du Monde, celle de 2003. Ils ont un plan ambitieux, mais cet après-midi, face à l'équipe anglaise, ils ne vont pas peser lourd, je vous le disais, puisqu'ils vont encaisser la bagatelle de 110 points. Les Anglais se régalent. Ils répètent leur gamme avec des attaques au grand large. Un Jeremy Guscott des grands jours qui écarte sur Matt Perry, qui va trouver en soutien l'ailier Dan Lugger, qui est contré à quoi 3 mètres seulement de la ligne. Le ballon n'est pas perdu, les Anglais le travaillent bien. Ils vont le sortir par Matt Dawson. Guscott une nouvelle fois, et on va envoyer au large avec Perry qui marque un essai. Matt Perry. Et vous voyez que les points s'accumulent. Jeremy Guscott, ça continue. On vous laisse admirer le travail effectué par les Anglais face aux Néerlandais. Il y aura 16 essais au total. We'll be right back.
Jeremy Guscott va marquer 4 essais dans cette partie, tout comme Neil Back qui aura été le premier marqueur et le dernier marqueur. Il y a également eu 7 essais inscrits par Nick Beal. 110-0, une victoire époustouflante pour des Anglais qui se rassurent un petit peu avant bien sûr d'affronter ce samedi l'équipe d'Italie. Paul Gresson réalise 15 transformations sur 16 essais. Le compte est presque bon pour le demi d'ouverture anglais. Les Anglais qui assurent dès leur premier match leur qualification pour la Coupe du Monde, mais on n'en doutait pas. Il faut maintenant terminer premier pour essayer d'obtenir une qualification dans le groupe qui jouera en Angleterre à Twickenham cette Coupe du Monde. Et les Anglais se doivent de battre les Italiens.